Merci. Et je pense que si j'ai le temps, demain, si vous prenez rendez-vous avec Pangalus, est-ce que je fais demain, je viens Je peux poser une question. Vous avez parlé de processus démocratique et vous avez dit qu'en ce moment, en Grèce, le gouvernement a été élu par le peuple. Monsieur Pangalos, il y a quelque temps, il y a un mois à peu près, il a traité tout le peuple grec d'imbécile. Est-ce que vous pensez que c'est un comportement démocrate? Non, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague, c'est vrai. Vous pouvez aller regarder tous les journaux, si vous voulez, je peux vous les amener demain. C'est marqué dessus. On pourrait peut-être expliquer un peu l'action d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Peut-être deux minutes. Même au côté, puis après, vous l'avez compris. Γράφτηκε στην πλήρη, μετά το λιμάνι. Ένα ένα μπορεί να πει. Votre sens du respect est très limité, monsieur Pangalos. Vous n'allez pas nous rendre des leçons de tolérance. Alors, merci, madame. Merci, madame. Alors, si vous le permettez, je pense que nous devons. Il est vrai que nous devons à monsieur Gavras, ainsi qu'à tous les gens qui sont là, une explication sur le sens de cette action d'aujourd'hui. Nous, si on est là, c'est principalement pour soutenir les 300 grévistes de la faim, les immigrés qui sont en ce moment en train de... Je ne sais pas si on est à 20 ou 25... On ne savait même pas que M. Pangalos allait venir aujourd'hui. C'est une grande chance que le vice-président du gouvernement grec soit là aujourd'hui, parce qu'il représente, en fait... Il représente un état très poussé, jusqu'à l'incarner, l'état de la décomposition morale de la politique grecque actuelle. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi, parce qu'on veut, on va parler de l'immigration, mais on va parler aussi de la crise. Parce que c'est ce qui se passe en Grèce. En Grèce, il y a un état d'urgence permanent depuis 2 ans, dont tout le monde souffre. Et je sais que M. Gavras est parti de ceux qui ne pensent pas que le cinéma ou l'art est quelque chose de distinct à la politique. Ces choses-là sont liées. Et voilà, c'est une occasion d'en parler. Si vous parlez des colonels, je ne pense pas qu'on va rester sur ce qu'on a fait il y a 42 ans. Et bah, une autre madame a dit, oui, mais moi j'ai fait Polytechnique. Mais bon, il faut savoir ce qu'on fait aujourd'hui de l'action politique. C'est ça le sens, voilà, de l'art et de la politique liée. Voilà, donc, il y a quelques centaines d'immigrés qu'on appelle clandestins, mais qui ne sont pas clandestins puisqu'ils sont là depuis peut-être 10 ans, en train de travailler normalement à terre. Ils sont en train de courir, de crever actuellement, parce qu'ils font une grève de la faim. On est là pour demander le soutien de M. Kostakavas, un soutien politique et artistique, et pour dénoncer M. Pangalos, pour ceux qui le représentent. Voilà. Et aussi, je voulais juste rajouter. Notre présence ici n'a rien à voir avec un boycott, quoi que ce soit, ou une action anti-Gavras. Voilà. Excusez-moi, que M. Pangalos soit là aujourd'hui dans ce contexte. Juste une explication. Je cherche autre chose. Je cherche un autre sujet. Sur l'autre sens, qui est la disparition. Mais il y a d'autres drames, je reste conscient. Le film, c'est surtout une histoire. Ce n'est pas un discours, c'est une histoire avec des personnages, pas un rôle de théâtre. Et puis un début, il y a une fin. Je voulais vous demander quand. Alors juste, monsieur Pangalos, il est en train de tuer 300 sans-papiers en Grèce en ce moment. Donc nous, on a une question pour M. Pangalos, excusez-moi. La question c'est s'il va légaliser les gens qui sont en train de mourir. Mais peut-être que ça ne concerne pas les gens ici, peut-être qu'on est juste là pour poser quelques questions, bien, dans une bien séance comme ça, mais il y a des états d'urgence. Est-ce que ça ne vous gêne pas, tout en appréciant les magnifiques films de M. Gavras, d'être en présence d'un assassin? Voilà, c'est ça la question. Voilà.